Hello la compagnie, c'est la Flis et je vous retrouve sur Expedition Conquistador et nous allons continuer notre pas conquête encore, mais notre objectif premier d'aller dans la jungle. Donc à partir de ce moment-là, je ne connais rien du jeu. Donc on peut pas le fermer tout ça? Non, d'accord. J'avais fait l'essai du premier combat, mais au-delà de ça, je ne sais pas du tout où ça nous mène. Donc, madame, avez-vous quelque chose de plus à nous dire? Alors, une femme... Donc, je sais pas vraiment comment vous traduire ça. Je comprends la phrase, mais j'ai du mal à trouver les mots pour. On va simplifier, je mettrai la phrase exacte, mais en gros, une femme nous accoste dans la rue et nous dit, Capitaine, Capitaine Martin, un moment de votre temps, je vous prie, si vous voulez bien être aimable. Et donc, on peut lui dire, faites vite, Signora. Ou bien sûr, Señora, en quoi puis-je vous aider? Hop, donc on est très volontaire dans cette partie. Donc, aucun risque, on n'a pas d'homme. Je voudrais vous demander humblement de tenir vos hommes éloignés de nos jeunes filles. Stir. Ok, donc notre arrivée a causé beaucoup de mouvements, on va dire, et nos hommes voudraient savoir à quel point nos filles sont vertueuses. Et nous aimerions réellement qu'elles restent comme ça. Donc ça, on lui dit... Donc c'est dommage ça, parce que ayant une équipe de femmes, elle ne devrait pas me le dire. Donc, mes troupes sont des gentlemen, et je vous assure que ça ne leur viendrait jamais à l'esprit d'imposer bien vouloir, je ne sais pas comment dire, à leur femme, Señora. Donc, vous parlez à une Martine, Señora. Je n'accepte d'ordre venant de personne comme vous, d'aucune personne comme vous. Ou alors, je vais leur faire savoir. On va lui dire ça. Merci. Je peux voir que vous êtes une femme d'une grande grâce qui comprend l'importance de protéger la vertu de nos jeunes filles. Et je suis touchée par votre assurance. Alors soit on lui dit bien sûr adios ou on s'incline et on s'en va, ce que nous allons faire. Ensuite, on peut rejoindre le dépôt. Donc Isabella nous conduit au dock où Umberto de Rossi j'ai déjà perdu le mot, je l'ai sorti tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, il y a 2 jours pour vous. Supervise, voilà, avec jovialement. Les derniers détails, vérifiant le cargo confortable à partir de sa chaise, assis confortablement, la pipe entre ses dents. Uncharacteristically, incaractéristiquement.
Donc en fait, il vient nous voir, il vient à notre rencontre avec plaisir lorsqu'Isabella vient annoncer notre présence, et donc nous lui disons, alors nous nous rencontrons de nouveau. Bien plus tôt que je ne l'espérais, je dois l'admettre. Et je vois que vous avez rencontré Isabella. C'est une jeune femme polie, n'est-ce pas? C'est la fille d'Andrés de Irones qui est venue de avec Columbus. Alors attendez, who came over with Columbus? D'accord. Donc en fait, il est venu avec Columbus, donc j'imagine Christophe Colomb là sur le coup, de Santa Maria. Donc vous pensez bien qu'elle a du sang de pionnier dans son sang, enfin l'esprit des pionniers dans son sang plutôt. Le vieux Andrés. Oh mon Dieu. Alors le vieux Andrés l'a eu avec une fille Taïno. Ah d'accord, non, j'ai compris. Il l'a eu avec une fille Taïno. Itu que fancy, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne le regarde pas. Et pour lorsqu'ils sont arrivés, c'était une espagnole. Voilà, je mettrai les traductions parce que ça va être horrible. Donc Umberto regarde, enfin, pas des visages, mais. Bon, regarde affectueusement Isabella. On va y aller avec des mots simples parce que sinon je vais entre lire, réfléchir et traduire, c'est très très compliqué. Parce qu'autant on arrive à comprendre, autant ressortir des phrases aussi bien faites en français, c'est assez compliqué là sur l'instant. Ok, donc il regarde Isabella avec affection, qui fait un geste, je ne sais pas ce qu'elle fait d'ailleurs, pour enlever les rougeurs qui apparaissent sur ses joues d'embarrassement. Donc, on lui répond, je n'ai pas le temps pour ça, je dois prendre mon cargo et quitter les lieux pour le gouverneur. Ouh. Ce ne sont vraiment pas mes affaires, Umberto. Et vous ne devrez pas parler d'elle comme ça lorsqu'elle est juste à côté. Ou alors lui dire, espérez-vous suivre les traces de votre père, señorita? Tiens, on va lui demander pour voir. Elle a l'air confuse au premier abord. Mais elle était un peu confuse au départ, mais après elle a réalisé qu'on faisait référence à son uniforme. Donc mon père était un grand explorateur avec un désir très puissant, un désir puissant de l'aventure, un goût énorme pour l'aventure. Et il n'était pas vraiment un homme militaire. Mais je porte l'uniforme pour suivre un chemin assez similaire du sien. Et je l'ai fait sans hésitation. Donc. Donc, Umberto a l'air un petit peu perturbé par la phrase cryptée. Que lance la fille, mais du coup il change rapidement de sujet de conversation
pour revenir à ce qu'il a dans les mains. Ok, bien, oui, bien plutôt. Chut. Oui, bien, peut-être que cette histoire sera pour une autre fois. Je pense que le capitaine Martin désire reprendre son cargo maintenant. En effet. Donc là, on a tout récupéré. Donc là, il fait signe pour que les paquets soient stockés sur la passerelle de bois du port. Donc tout est ici, capitaine. Ah, ça c'est quoi déjà? Ok, donc 800 objets de valeur et trésors d'argent. Une semaine de ration pour 10 troupes. Estimé... Ah mais... c'est reals ou reales? Est-ce que c'est une monnaie plutôt? J'ai l'impression que reales c'est la monnaie, mais... médicaments et équipement médical pour 800 reales et 2000 pour l'équipement militaire. Très bien. Pouvez-vous vérifier ceci, Portanales? Enfin, confirmer plutôt. Donc, notre scout opine. Donc, j'ai gardé un œil sur... un œil proche sur le travail, sur les travailleurs au dock. J'en ai attrapé un en train d'essayer de piquer nos objets de valeur. Et je pense pas qu'il ne recommencera de sitôt. Oh, cette tête en plus, elle fait vraiment... Je vais avoir besoin de chevaux et de charrettes et quelques servants. Bien sûr, vous pouvez prendre 3 charrettes venant de la garnison. Et vous pourrez voir à quel point les gens de Noriega sont effrayés de quitter les confins de la ville. Je pense que nous pouvons nous séparer d'une douzaine d'esclaves du dock pour vous servir lors de votre excursion plutôt. Incursion, oui, d'accord, ok, de votre expédition en fait sur l'île. Ok, dépêchez-vous d'arranger tout ceci. Je souhaite partir le plus vite possible avec j'ai toujours pas de mot pour supplies, il faut vraiment que je retrouve le mot là. L'équipement. Alors attendez. Alors je voudrais partir dès que notre équipement aura été chargé dans les charrettes. Ou alors on lui répond pas d'esclaves. Je veux payer uniquement des servants. Oh, d'accord. Alors, Umberto Cox, is it slightly to the side. Donc en fait, il penche légèrement la tête sur le côté et nous dit, je suis sûr que nous pouvons arranger ça. Si vous avez toujours besoin d'une douzaine d'entre eux, cela va demander un paiement assez important, évidemment. Mais je peux vous les donner pour la moitié, je pense. Biolf, je ne sais pas. Donc en fait, il nous les louerait. Pour 200 reales.
Donc on a 800. Enfin, non, on avait 2000, donc ça vaut 2000, ça. Donc 200. Donc soit on lui dit non, c'est bon, je préfère garder ma monnaie, mon argent, je vais prendre plutôt des esclaves. Ou alors lui dire c'est très bien, je partirai dès que l'équipement aura été chargé dans les charrettes. Et ils n'auront qu'à nous rejoindre sur la route. Donc c'est ce qu'on va dire, on va voir pour payer et ne pas prendre d'esclaves. Donc voilà, on a baissé à 200, ce qui fait que finalement c'était bien 200 objets de valeur. Alors Umberto opine et se dépêche vers le palais. Isabella de Irwanes le suit. Donc soit on l'attend pour parler. Ah non non non, elle le suit pas du tout, elle reste plantée là en fait. Soit on lui dit alors votre mère est Taïno. Donc on va pas attendre qu'elle parle, on va directement lui poser la question. Donc son visage Ok, son visage se ferme très visiblement et elle parle d'un ton sur la défensive qui se sent dans sa voix et répond c'était une bonne femme, elle aimait mon père énormément. Donc on peut lui répondre ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous avez dû avoir une enfance intéressante, ou alors, ok, vous avez été chanceuse d'avoir été ramenée à la culture espagnole plutôt que élevée par des sauvages. D'accord. Donc on va dire qu'elle a eu une, on va rester dans notre ligne de conduite et lui dire qu'elle a dû avoir une enfance intéressante. Elle nous répond qu'elle suppose que ça l'était. C'était perturbant parfois, mais elle a appris beaucoup de choses. Parfois, elle était, elle se sentait divisée entre l'Espagne et la culture Taïno. Mais d'autres fois, elle trouvait la force dans la dualité. Donc, on lui sourit. Vous ne disiez rien, mais simplement vous donnez simplement un sourire amical à Isabella. Soudainement, elle semble se remémorer ce qu'elle allait dire et ou du moins elle se rend compte de ce qu'elle allait dire et parle avec attention. J'espère que je ne dépasse pas les limites à vous demander ceci, mais je serai honorée si vous me permettez de me joindre à votre expédition. Donc on lui demande si elle a l'expérience du combat. Donc elle nous répond qu'elle a été entraînée pendant plusieurs heures avec Umberto, mais non. Donc en fait dans la pratique, non. Je n'ai jamais fait face à un ennemi réel. J'aurais été très heureuse d'aider simplement avec les charrettes et au travail autour du camp chaque nuit, chaque fois. Mais cependant, je suis prête à me battre. Donc, on peut lui répondre. Donc soit ce n'est pas une balance, une balade de plaisance de. Oh c'est dingue, il y a des mots en plus qu'on utilise tout le temps qu'on oublie. Donc en gros que ce n'est pas une simple balade pour le plaisir dans les bois, Señorita Irwanes. Ou bien quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même qui pourrait être utile? Ou je ne pense pas que ce serait très bien étant donné que nous sommes deux femmes. Sous mon commandement, tout le monde. Attends, quoi?
Lénienne, déjà, je ne sais pas ce que c'est. Because nous sommes deux femmes. Sous mon commandement, tout le monde pèse son poids. J'ai pas très bien compris sa phrase, mais dans tous les cas, on va voir ce dont elle est capable. Pourquoi pas, étant donné que son père était un aventurier, peut-être qu'elle a pris de ses traits de caractère. Alors, j'ai dépensé beaucoup de mon temps avec les Taïnos. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps avec les Taïnos, plutôt. Que j'avais ici à Santo Domingo. Je connais leur culture et leurs traditions, sans parler de leur langage, de leur langue plutôt. Je serais une interprète très utile, ça serait pas mal. Et je connais la région très bien. J'ai voyagé dans la jungle et la jungle et la côte très intensément. Alors, très bien, et allez vous annoncer auprès d'Unbelto, ou alors, je n'ai pas l'intention de jouer au diplomate avec ces sauvages, ce serait mieux que vous restiez ici. Donc non, on va lui dire d'aller voir Unbelto, parce que on a choisi une voie pacifique. Donc, Isabella nous fait part d'un visage illuminé. Et donc, elle se dépêche d'aller à la forteresse... Enfin... je vais retrouver le mot pendant que je regarde la carte. Aller à son... Pas son bataillon, mais bon, bref, là où elle a ses affaires pour aller les récupérer. Je suis vraiment, vraiment désolée de ne pas trouver mes bons. En plus, c'est vraiment perturbant, quoi. Alors, le soigneur. Donc ici, on a plein de choses à voir. D'accord. Alors d'ailleurs, est-ce que... Ah zut. Bon, tant pis. J'ai plein de trucs à lire là d'un coup. D'accord, donc ici, la fenêtre de management nous donne un aperçu de notre équipage. Et on peut promouvoir ou équiper nos hommes. Donc si on a assez d'expérience ici, comme je m'y attendais, on peut promouvoir de certains rangs. Donc voilà, de recrues, homme de main, vétéran, sergent, lieutenant. On peut avoir seulement deux sergents et un lieutenant en même temps. Donc une promotion apporte à nous suivants plusieurs chemins. Enfin, plusieurs nouvelles choses, en fait. Leur efficacité au combat est accrue. Ils gagnent une habilité de classe supérieure... De plus, pardon. Active, voilà, c'est ce que je voulais dire. Une habilité... une compétence, pardon, passive. Et 3 points... C'est quoi les camping skills? Peut-être leur point, en fait. Ouais, voilà, d'accord. C'est... Oh, c'est très bien, ça. Donc, pensez à mettre à jour... Oh, putain, même upgrade, j'arrive pas à trouver le mot, quoi. C'est dingue, ça. C'est vraiment dingue, hein. C'est très dur. Celle-là, je l'ai dur, hein. Pensez à... Bon, mettre à jour, tant pis. Pas mettre à jour. Bon, bref. Les skills de vos suivants, après les avoir promus. Chaque compétence va correspondre à une tâche lorsque nous utilisons un camp.
D'accord. Donc les chances de succès au final sont déterminées par le total des skills de tout le monde quand ils sont assignés à une tâche. De tous ceux qui sont assignés à une tâche en fait. Donc on peut utiliser l'onglet équipement pour augmenter la qualité de nos armes et de nos armures. Lorsque nous Oh mon Dieu, c'est atroce. Lorsqu'ils ont une promotion, nos suivants, enfin, oui, si, suivants, vont être capables d'équiper des casques, du moins des équipements plutôt. Cliquez simplement sur un emplacement. Alors, je viens de dire ça, je sais plus où. Oui, voilà. D'accord, il suffit juste de cliquer sur un emplacement pour l'équiper. Ok, et donc s'il y a plusieurs équipements qui sont équipables par lui, on peut choisir laquelle à équiper avec les flèches jaunes. D'accord. Voilà. On va essayer de se reprendre. Du coup, là, j'étais en train de voir quoi. Oui, est-ce que la santé de tout le monde est remontée? Oui. Par contre, je suis en train de me dire, oh, c'est quoi cette flèche? Ah, mais du coup, ils ont tous monté de niveau là? Enfin, ils ont tous la possibilité. Non, en fait, l'expérience est générale. D'accord. Alors là, ça va être compliqué de choisir. Donc, on verra ça après. Dans un premier temps, je voulais voir 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok. La 11e, c'est Irvanes. Ok. Donc, elle qui est venue avec nous. Du coup, tout le monde est en bonne santé. Donc, au niveau du combat précédent, ça n'a pas été pris en compte. C'est très bien. Ok. Ah, du coup, il suffisait de faire ça. D'accord. On verra ça après. Dans un premier temps, on va regarder tous les personnages qu'on a. Je regrette énormément qu'on ne puisse pas classer par personne. Mais dans un premier temps, je pense que celle qui va prendre un niveau, ça sera la doctoresse. Parce qu'elle est toute seule. Et normalement, elle devrait avoir des compétences plus intéressantes. Ah, et là, on choisit. Oh, énorme. Donc ici, en demain, elle va gagner un bonus de 5% au niveau de ses attaques, de distance et mêlée, et 5 points de défense bonus. Elle va obtenir une nouvelle compétence qui enlève les dots en fait. Alors, les dégâts qui sont faits à travers le tank et donc tous les effets négatifs, donc tous les debuffs provenant, enfin, uniquement mono-cible en fait, sur un seul allié, et va le soigner en plus de 15 à 25 points d'endurance. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Oh. Ici, là, en fait, chaque attaque à distance par cette personne va avoir 20% de chance de réduire de moitié les mouvements de l'adversaire au prochain tour. Réduire les dégâts critiques aussi. J'aimerais bien lui mettre de la protection ou un truc comme ça.
quoi tout ce qu'il y a. Oh là là, la nuit va pénaliser sur la vue et tout. Oh, c'est génial. Ça, c'est pas mal. Lorsque nous faisons une attaque normale, nous avons une 5% de chance de faire une action supplémentaire. L'utilisation d'un arc peut être pas mal. Ça permettrait de tirer de beaucoup plus loin. Ouais, je pense que je vais faire ça. Tiens, bizarrement, c'est absolument pas ce que j'avais prévu. Mais l'arc serait vraiment bien pour elle. Étant donné qu'il me semble qu'elle attaque de toute façon. Voilà, avec le fusil ici. Enfin, le fusil. Ah, du coup, on va lui mettre un arc, ce qui va lui permettre, voilà, d'avoir une portée beaucoup plus longue. Normalement, je vérifie quand même. Voilà, short range. Donc, c'est quand même bien plus intéressant. Accepté. Voilà. Donc, elle a été promue et donc on peut lui mettre des points supplémentaires. Donc elle est plutôt bonne à la chasse, mais surtout ici. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Ou alors l'herbalisme, oui. Voilà, donc là ça va déterminer le nombre de d'herbes que le personnage va pouvoir transformer en médicaments. Donc évidemment, nous allons mettre nos points ici. On va peut-être mettre ici un point de plus, voilà. Hop. Ça me paraît pas mal. Au niveau des équipements, donc est-ce que si je fais ça ici, voilà, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Navaja Pugnal. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Donc si j'en mets un de chaque, est-ce que ce sont des équipements d'attaque? Je ne sais pas trop. Voilà, ici on va y mettre l'arc. Ah d'accord, le long. Ah d'accord, non, non, j'ai compris. En fait, c'est la maîtrise. Du coup, elle, on va lui mettre un petit peu plus pour qu'elle ait vraiment l'arc long. Oui, ça augmente les dégâts, d'accord, j'ai vu. Et ici, 7%. Ouais, bon. Les autres. Mais les autres, ils peuvent mettre même s'ils sont. Ah oui. Bon. Ce qu'on va faire, on va simplement mettre. Non, là, non. D'ailleurs, toi non plus. Hop. On va juste mettre ici. On va d'abord faire un, on va voir. D'accord, donc en fait, elle, du fait qu'elle ait un niveau supplémentaire, elle peut aller plus loin. D'accord. Par contre, eux sont bloqués au premier tiers des armes. À ce niveau-là, donc on va mettre au moins un point ici à chaque fois. Non, dans un premier temps, on va voir les attaques. Ici, 25, 26. Ici, on arrivera à 28. On va déjà faire 26. Oui, tu fais du dégât, toi. 37. Et là, elle est, hein, d'accord. Donc là, 36. Pareil. Pareil. Ok, eux ne peuvent pas attaquer à distance, c'est normal. Donc là, on a des soldats.
Ou... Oh, ça fait peut-être un peu trop. On va essayer de faire ça sur les soldats. Non. Non, c'est les scouts, excusez-moi. Du coup, c'est pas ça du tout. On va plutôt faire ça sur les scouts. Et les soldats. Soldats qui peuvent aussi attaquer à distance, soit dit en passant. Parce que là, ça leur ferait 27. Ah, il m'en manque une quand même. Il m'en manque une quand même. Il me manque elle. Et eux n'auront pas de bonus à ce niveau. Donc on va en mettre qu'un pour le moment. Et toi, qu'es-tu? Un soldat aussi. Donc on va te mettre ceci. Voilà, on va essayer d'équilibrer un petit peu pour monter plus ou moins tout le monde. Sachant qu'elle, on l'a quand même augmenté ici. Ça, à la limite, on pourrait l'enlever. Et le rajouter peut-être sur elle pour la protéger par sécurité ou lui mettre carrément un arc supplémentaire. Je ne sais pas si elle se battra. 41 dégâts en mêlée. Ouais. x2, 1.5. Ouais, elle est plutôt pas mal au niveau combat. Elle est comme elle à peu près. C'est pas mal. Fermé, du coup ici, pas besoin de payer pour soigner nos hommes. Donc ici c'était l'hôpital. Donc je pense que de toute façon ici sera la ville où on revient. Ici c'est le marchand finalement. D'accord, donc ici voilà, on peut échanger. D'accord, donc c'est vraiment de l'échange. C'est pas vraiment de l'achat. Hein. Donc ici sur l'écran de gauche, on peut voir les ressources du marchand et ici les nôtres. Ok, c'est ce qui est normal. S'il n'a pas beaucoup de stock d'un produit, le prix va être plus cher que d'habitude. Par contre, s'il a un grand stock de cette ressource, le prix va être plus bas que la normale. Alors, est-ce que c'est possible? Acheter les ressources lorsqu'elles sont en grand stock et revendre des ressources lorsqu'il n'en a pas beaucoup. Et tous les traders se réinitialisent tous les 7 jours. D'accord. Donc pour voir. Donc ici, tu as tout en quantité. Par exemple, si je fais ça, d'accord. Ça c'est logique, normal. Aïe, ok. D'accord. De toute façon, normalement, on n'a rien à acheter. Si, on aurait pu acheter éventuellement quelques équipements comme prévu. Pour le moment, on va rester comme ça. On verra bien. On verra ce que ça donne. On va garder un petit peu de sous si jamais on croise des gens ou je ne sais quoi. Et il nous reste encore des bâtiments à voir, mais je vois que nous sommes déjà à 40 minutes de cet épisode. Et en fait, je vais continuer un petit peu parce que ce... Non, je vais m'arrêter là. Non, non, parce que 40 minutes, si on est en silence, on en a au moins pour un quart d'heure. Je pense que ça va faire beaucoup trop loin. Trop long. C'est sûr que de toute façon, déjà de base, le let's play est plus long que d'habitude. Donc, bon. Donc, 40 minutes, là, déjà, c'est pas mal. Du coup, on finira la visite de la ville. On partira dans la jungle, certainement que dans l'autre encore épisode. Mais au moins... On profite de l'histoire et des interactions qui nous sont offertes. Voilà, sur ce, je vous remercie de me suivre, je vous fais de très gros bisous et vous dis à la prochaine. Bye bye!